En attendant, on va continuer sur le cinéma. Et le prochain morceau, c'est un morceau qu'on aime beaucoup parce que c'est une musique qui est issue d'un des films de Blaxploitation les plus débiles que j'ai jamais vu. Mais du coup, souvent dans les films débiles, il y a des très 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 bonnes musiques. Et les producteurs de l'époque avaient tout essayé, ils avaient tout fait, ils avaient fait des films du Moyen-Âge avec des couronnes et tout ça, avec des hommes noirs. Ils avaient fait même des films sur les camps de concentration, sur les nazis avec des noirs. Et il y a un truc qu'ils n'avaient pas fait, c'est les films de vampires avec des noirs. Et là, un jour, ils se sont dit, on va en faire un. Et ça s'appelle Blacula. Sauf qu'à la française, on le dit Blacula. Mais Blacula, on peut croire que c'est un verbe au futur. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ça se dit Blacula. Généralement, il y a un écho, mais Blacula. C'est parti. Ah, on le refait. Blacula. Thank you.
merci. Blacula. C'était donc Blacula.